Moi, maintenant, tu me vraie place. Parce qu'à chaque fois que tu as une question, quand tu as des affaires, un médecin pourrait prendre une petite chose et qu'un jeune qui ne font pas, tu es en communauté, nous prenons un exemple, par exemple, un jeune qui fait, il ne pas prendre ce médicament, ce man ARV, un médecin pourrait prendre d'une façon, mais un jeune qui concerne lui-même ou qui est concerné à côté qu'un jeune qui peut suivre le traitement là, l'opinion là est différente. La façon de trouver des affaires est bien différente. Et là, tu as l'opinion tu comptes. Même si nous sommes dans deux pays différents, et qui te mis en forme de docteur. Et ce qui est intéressant, nous en avons beaucoup de gens qui traçaient, comme on dit ici, le SDS, travail du sexe. Et comme nous en avons avec eux, nous avons fait bien content qui peuvent sentir que si je fais eux-mêmes, il y a beaucoup plus de gens pour accepter, pour faire des pistases. En tant que gens, peu importe, qui sont en train de là-dedans, de font partie de la communauté, en tant qu'un père, il fait une grosse différence. Nous causons même langage. Si dans ça l'air là, mon père connaît moi, tu peux ramasser bouteille pour là, là aussi mais, selon ça l'eau là, il en vit une fête est là, il peut pas faire là. Parce qu'il connaît qui, du moins avec qui il peut faire là, pas pour guetter depuis en bas là. Donc il passe beaucoup plus souple et me pense c'est ça qui amène beaucoup du monde à connaître ce statut sérologie. Il connaît comment peut expliquer un du monde. Faire test là pour qu'il raison réellement. Qui fait, comment dire, besoin faire le test, pas pour dire toi qui tu es un jeune qui est en tête avec le virus, qui te pour gagner avant qu'un autre jeune, mais non, comment dire, prévenir sa bout là, causer, portage, comment portage par rapport à un test, parce qu'il y a des affaires qui sont bien sensibles souvent des fois, mais du moment qu'un jeune comprend, il y a ce qu'il comprend là-bas, cause de portage, donc tu m'en comprends, qui fait rien pour autant plus faire ce test. Il y a beaucoup d'affaires sans aide et puis il commence à avoir des gens qui font des tests un peu partout. Avant ce qui peut arriver, un gens, par exemple, il reste sur Yac, il a besoin de venir dans un NDCI pour lui faire ce test. C'est seulement la place qu'avant tu peux faire dans un NDCI. Même dans l'hôpital, tu vas aller et tu vas expliquer tes affaires, donc pas pour faire ces affaires-là. À ce point, les gens sur Yac, ils viennent, même si nous ne payons pas de grands sacs en là, en termes de financement, ils coûtent tout le temps aussi. Et donc, testi fait beaucoup moins. Mais quand on a ces une cause du monde, il comprend que ce risque il prend. Qui risque il prend? Et dans ce salaire-là, il gagne des clics, il dit non, vous avez fait ça. Mais si dans ce salaire-là, peine à tester avec toi, avant ce que tu peux arriver, peine à tester, tu peux canaliser vers une autre place pour faire le test, il ne va pas le faire. Mais tandis que là, il gagne des clics, il peut gagner un service ça tout de suite. Ce qui est arrivé, c'est qu'il nous prend le temps-là, individuel. Pour ne pas connaître l'autre mot pour dire, pour moi, pour ça côté humain là-dedans. Effectivement, Pierce nous a toujours été du côté des populations clés et les populations PVVIH. Je crois qu'il y a beaucoup de renforcement des capacités qui a été fait par Pierce. Tant que la venue de Pierce sur les trottes, ce n'était pas vraiment par hasard. Nous, on a pensé que il y a donc Pierce qui ont été réalisés cette approche trottes et qui il est plus expérimenté dans la formation et les expériences sur terrain. Pour nous, c'est une ressource en plus pour avoir plus d'expérience, puisque personne n'avait pas cette expérience à Madagascar. Mais il y a un comité technique qui a été mis en place avec les acteurs malgaches et on a travaillé ensemble donc, pour réaliser ce projet pilote. Effectivement, à la fin, ça s'est passé bien. Hein. Ils ont bien retenu. Il faudrait qu'on passe à l'examen technique pour faire la trotte. En général, tout s'est passé bien. Il y avait beaucoup de gens qui ont dépassé même la moyenne nécessaire. Le premier jour, eux, ils étaient vraiment déjà qualifiés comme trotteurs. On a eu donc tout de suite une activité pilote, mais à la fin, donc, ça se passait bien. Ils ont eu la capacité de faire le trot, les négociations, etc. Ils ont été envoyés dans la région après, dans leur site de travail. Alors, globalement, ce qui est ressorti du rapport de la phase pilote, c'est une bonne adhésion des personnes cibles pour le dépistage communautaire, une confiance en leur père. Ce qui est pour nous un élément important de garantie de la mise en œuvre du dépistage communautaire. Alors, l'apport de PIS a été indispensable parce que nous, en tant que professionnels de la santé, en général, lorsqu'on fait des formations
au dépistage. On n'est pas toujours patient et on n'utilise pas toujours le langage approprié. Alors, PILS nous a permis de réguler tout cela, je peux le dire ainsi, pour que le message soit adapté à la cible. Des défis à Madagascar, ça a été vraiment de faire accepter l'intervention des communautaires au personnel médical. Et ça, on a dû user avec PILS du partage d'expérience et vraiment arriver à convaincre le personnel médical sur l'importance que les communautaires doivent prendre dans les activités de dépistage. La considération qu'il faut avoir, le respect qu'il faut avoir pour les acteurs. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris de cette expérience avec PILS et après avec les acteurs sur le terrain. Dépistage médicalisé, vers ça qu'il faut tendre. C'est très important, surtout dans nos pays où nous n'avons pas beaucoup de ressources humaines médicales. Ça permet de laisser le personnel médical se concentrer sur des activités de soins directement. Le projet pilote a été porté afin de améliorer donc nos résultats sur les dépistages. Vous savez qu'à Madagascar, 1990, dans le temps, et le 1995, c'est vraiment très loin. Nous, on n'a pas pu atteindre normalement donc le niveau de notre estimation de personnes dépistées qui est issue du spectre de Onusida. Donc, on était vraiment loin. Là maintenant, les bailleurs nous ont dit de trouver de nouvelles approches. C'est pourquoi on a mis en place cette nouvelle approche projet pilote TROD. Et au niveau du résultat, ça a vraiment augmenté. En fait, je ne sais pas si ça a doublé ou quoi, mais ça a vraiment apporté beaucoup de résultats de plus pour Madagascar. Aujourd'hui, on parle de 3,95. On ne peut pas atteindre les 3,95 sans dépistage communautaire. C'est impossible. Donc, c'est vraiment un appel que je lance pour que le projet pilote, avec l'appui de PILS, on puisse faire le pas pour faire le passage à échelle. Bien sûr, tout en garantissant l'environnement en matière de gestion des intrants, en matière de supervision des activités, de rapportage des données, etc., etc. La mise en scène, ça sera là une couverture nationale, mais ça va aller donc petit à petit, c'est-à-dire par rapport à notre capacité, je dirais, financière et technique. Il y aurait donc un objectif d'améliorer petit à petit donc la couverture nationale. Donc ça devrait se passer comme ça. Il y aurait donc des régions prioritaires ou là où il y a beaucoup de prévalence ou les indicateurs est assez bas. Mais on va aller petit à petit pour arriver jusqu'à une couverture nationale. En cours, hein, c'est en cours. Il n'y avait pas encore le comité, puisqu'il y aurait donc un comité de remise à l'échelle qui sera mis en place. Mais on va travailler avec tous les acteurs potentiels. Il y a ceux qui ont déjà des financements et qui veulent déjà participer à cette mise à l'échelle. Il y a ceux qui n'ont pas encore, mais qui veulent donc approfondir leurs connaissances et capacités pour réaliser le TROD. Effectivement, on va faire ça vraiment en collaboration avec les associations comme ça. Mais on voit déjà qu'il y a beaucoup de bonnes initiatives et je dirais, d'enthousiastes au niveau des associations qui vont le faire. Hein. Il y a beaucoup d'associations qui veulent vraiment participer déjà. Donc, on a beaucoup de travail pour faire, mais de là, comment dire, quand il finit de faire sa test là, il finit de faire montrer comment faire test ça, après ça, je peine à qu'il pour faire. Si je peine à matériel, comment je fais travail là? Et ça, pour moi, c'est une affaire qui me sent, sinon, au bord du nez.